Et bien bonjour à tous les amis, c'est Balmo Jack, j'espère que vous allez tranquillou. Aujourd'hui on se retrouve pour du Yandere Simulator. Oui oui, c'est du Yandere Simulator. Alors Ayano n'a pas perdu sa tête, ou plutôt son corps en l'occurrence. Non non, elle est dans un endroit très improbable, je vous laisse deviner. Attention au moment de vérité. Hop là, elle est juste sur le toit du gymnase. Donc ça c'est grâce à notre deuxième PBA, petit bug et astuce. Donc là c'est un petit bug que j'ai envie de vous montrer. Bon, vous le voyez très certainement dans le titre de la vidéo et la miniature. Comment Ayano fait-elle pour aller dans le ciel et après atterrir dans des endroits complètement improbables comme celui-là? Je vais vous montrer tout ça en détail pour ce PBA numéro 2. C'est parti! Bon, et bien pour commencer, il faut déjà qu'on ait une victime. Donc pour ça, je vais utiliser l'ancien démon. Je vais me téléporter au club occulte. Attendre que l'ancien démon arrive, voilà. Je vais retirer tous les élèves pour ne pas être embêté. Ça, c'est toujours mon habitude. Et je vais prendre une victime au hasard que je ramène ici. Hop, couteau du rituel oblige et... coup de couteau dans la tête. Et c'est parti, on va rejoindre la salle des démons, bien évidemment. Donc ça y est, on y est, et maintenant il faut que tu sauvegardes. Donc j'ai déjà fait quelques sauvegardes, hein, bien évidemment, dont une déjà dans la salle des démons. Je vais en refaire une autre, voilà, ici, et on va retourner en bas. Attends, tu sais quoi, je vais quand même faire Forgive Sins, et je vais y retourner. Et je remplace plutôt cette sauvegarde-là par celle de maintenant. Quelle est la différence? Bah, j'ai juste pas plus de sens sur moi, en fait. Donc, je suis retourné dans le monde normal. Maintenant, ce qu'il faut faire avec ce téléphone, regarde, tu as deux dossiers. Donc, une pour sauvegarder et une autre pour charger. Il faut pas confondre, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai accès à mes sauvegardes, mais là, je vais en charger une. Donc, je ne vais pas appuyer sur le bouton A, je vais plutôt appuyer sur Debug, ça fait un mix un petit peu des deux si on veut. Et regardez, voilà, Ayano tombe du ciel. Alors, c'est censé être la salle des démons. Je sais pas pourquoi il y a un truc noir à côté, mais faudrait un jour que j'essaye de voir ce que c'est. Mais voilà, dès que tu choisis la salle des démons, Ayano est en train carrément de tomber. Donc voilà, on voit bien qu'elle est tombée parce que ça a disparu, quoique on arrive quand même à le voir encore un tout petit chouïa, enfin maintenant plus. Et il faut attendre un long moment et normalement on va commencer à voir les nuages et puis l'école. Au bout d'un moment, tu verras apparaître l'encéphalogramme de Ayano, les battements du cœur quoi. Regardez, il se trouve ici. Alors je ne crois pas que je peux marcher dessus, ça serait quand même un petit peu chelou. Non, je le traverse. Et j'ai pas fait attention sans envoyer une Ayano qui apparaissait là en bas, ça aurait été drôle. Non. C'est bon, on commence à voir les nuages qui apparaissent. Donc bientôt, on va pouvoir voir l'école. Quand même attendre un long moment parce que Ayano tombe très doucement. Elle est légère comme une plume. Ah, ça y est, on commence à voir l'école. Alors je vais essayer de prendre une photo pour la miniature. Attends, si j'y arrive à peu près. Essayer que ça soit une belle vue quand même. Je vais attendre qu'on voit un peu tout. Voilà, ça c'est magnifique. Et on peut même faire une sauvegarde quand on est dans le ciel. J'en ai déjà fait une ici. Voilà, je vais la mettre là. Bon là, je suis un petit peu décalé, mais logiquement, si on s'amuse un petit peu, on pourrait atterrir où on veut. Si j'arrive, mais ça va être trop geste, je devrais réussir... ouais, à terre sur le gymnase. Et hop, on voit que le toit, c'est n'importe quoi. On voit que le toit n'est pas solide du tout. Le traverser, Ayano se prend tous les barreaux. Et puis voilà, donc c'était un petit bug. Je sais pas pourquoi il y a un saut ici. Mais ça peut être très intéressant hein, pour faire des droppers ou atterrir à des endroits what the fuck. Tu peux atterrir sur le plongeoir hein, avec cette méthode. Il y a un petit peu tout ce qui est solide sur le dessus. Même le toit des vestiaires, le toit de la cabane là-bas, tu peux même atterrir sur les bambous. Tu peux même sortir de l'école hein, de cette manière. Et voilà, j'espère que ce PBA, donc là c'était un petit bug à vous montrer, vous aura plu. Sur ce, c'était Valmanjack et on se dit à la prochaine.